Sébastien Bach. Vous avez concocté ce soir un programme de Bach à Piazzolla, on vous entendra encore tout à l'heure. De France, et il y a beaucoup de liens entre ces deux compositeurs. Piazzolla, une révélation pour Jean-Sébastien Bach quand il était très jeune. Il a composé beaucoup de pièces, même si on a mis beaucoup de temps à l'aborder, puisqu'il est très embarrassant pour une formation comme la nôtre. Aucune pièce de Bach n'est composée pour notre formation. Et puis ensuite, il faut l'adapter à notre formation, qui n'est pas exactement une formation baroque, bien au contraire. Donc il ne faut pas faire du faux baroqueux, il faut qu'on soit adapté. C'est un parti pris. Oui, même s'il y a une réflexion, Arnaud pourra en parler mieux que moi, puisqu'il a un archet baroque en main. Naturellement, il est très facile de trouver un terrain commun pour s'exprimer à quatre. Mais l'ensemble contraste, c'est aussi des musiciens de jazz, Raphaël Imbert, artistes de jazz, des grands artistes de variété. Et on a décidé de tous se réunir un peu sur le modèle de ce que fait les Enfoirés.